Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Dark 13 et j'ai une petite alors annonce, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais petite chose à vous signaler, c'est que ce matin, suite à un problème d'ordre physique, mon casque a lâché. En fait, c'est le micro qui a lâché. Du coup, on a regardé un petit peu pour le réparer, mais c'est pas jouable. Donc là, j'ai récupéré mon ancien casque que vous connaissez, hein, j'ai déjà tourné avec, mais du coup, faut pas que vous vous étonniez de la qualité. Je vais voir pour en reprendre un de meilleure qualité bientôt, mais d'ici là, ben, je ferai avec ce que j'ai. Donc, on s'était aussi quitté sur une grosse défaite, hein. Dans le sens où je n'ai quasiment plus rien. Voilà, enfin là vous avez à peu près tout ce que j'ai. Donc je vais voir ce que je peux en faire. Ça va sûrement être j'avance case par case, mais je sais même pas comment je vais pouvoir avancer. Je suis pas en bonne posture, quoi qu'il arrive. En plus, je sais qu'il y a des petites araignées qui se baladent quelque part, je sais pas trop où, mais je sais qu'il y en a. Je sais aussi qu'on a. Hop. Hop, hop, hop. Qu'on a des. La sortie, enfin la fin de la map qui est. De cette zone qui est là-bas. Donc je vais. Hey! Je vais y aller. Et je verrai si j'arrive à m'en sortir en tunnelant. Parce que. Ben. Si je pourrais retourner, comme l'a dit Snap dans les commentaires de la dernière vidéo, je pourrais tout à fait retourner au spawn, me refaire des sticks, me faire une pioche, etc. Quoique pour ça il me faudrait de la cobble et je n'en ai pas. Mais oui, je pourrais retourner au spawn seulement, ça va faire un peu loin. Donc là, séquence blabla. Comme d'habitude, hein, puisque j'ai un peu pris l'habitude de faire ça sur The Dark 13. Désolée Snap pour ta map, mais comme elle est assez longue, ça fait un très bon support pour les informations de la chaîne. Donc, en parlant de la chaîne, justement, j'ai plusieurs choses à vous signaler qu'on m'a déjà posé à plusieurs reprises comme question dans les commentaires, enfin dans les messages YouTube, et je voudrais que ce soit clair parce que bah, comme ça au moins vous n'aurez pas besoin de me poser la question de votre côté. Le serveur Feed the Beast sur lequel je suis avec Neok, Torak et Angelside, il n'est pas ouvert. C'est un serveur privé où c'est le serveur de la bande en fait, puisque on est un groupe de potes si je puis dire. Donc ce serveur ne vous est pas ouvert. Ce n'est pas la peine de venir me demander, dit est-ce que c'est possible qu'on vienne sur le serveur? Ce sera non. Il est tout à fait possible que de nouvelles personnes arrivent sur le serveur, mais ça va être des personnes que nous connaissons à côté, avec qui on a déjà joué, sympathisé. Ce ne sont, ça, si, ça peut être tout à fait des viewers, mais des viewers qu'on connaît depuis quelque temps, avec qui on sait qu'on s'entend et qu'on peut tourner. Oui, je fais des bêtises. Pas des personnes qui demandent à venir, donc oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, pour les personnes pareilles qui me demandent, salut, est-ce que ce serait possible qu'on fasse des vidéos ensemble? Encore une fois, j'ai pas de souci à tourner avec des youtubeurs ou des viewers ou peu importe. C'est pas gênant, hein. Je l'ai déjà fait, je pourrais continuer à le faire. Mais c'est exactement pareil. Je vais tourner plutôt avec des personnes que je connais, avec qui je sais que je m'entends, et pas avec des inconnus. C'est pas parce que, oh là là, peut-être c'est quelqu'un de méchant, c'est juste parce que. Tout simplement, on peut avoir un feeling différent ou des attentes différentes. Et puis, ben du coup, ce sera mieux si
Si on ne tourne pas ensemble, mais aussi bien pour moi que pour ces personnes-là, ou même que pour vous, parce que ce sera moins sympa à regarder si de notre côté on prend moins de plaisir à faire tout ça. L'araignée, tu veux bien t'en aller un peu? Non, tu peux pas? Bon, pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai eu des nouvelles côté Monsieur Erilio. Parce que vous savez désormais, si vous suivez cette vidéo, vous avez dû suivre la précédente. Donc vous devez savoir qu'il y a eu un petit problème entre nous. J'ai dit que j'essaierais de récupérer la map Objectif Hardcore pour pouvoir continuer de mon côté. Maintenant que j'ai eu sa réponse, je peux moi vous répondre. Oui, la réponse est négative. Je ne pourrai pas récupérer la map. Du coup, ben, j'ai toujours un moyen très fastidieux mais plausible de récupérer la map. Si j'en trouve le courage, je le ferai. Mais ça demande beaucoup de temps. Je crois qu'il me faudrait au moins 20 heures effectives. Peut-être, je dirais au plus 24 heures. Mais c'est beaucoup, vraiment. Donc, oui, peut-être. Mais il n'y a absolument rien de sûr là-dessus. Hop, allez, fichez le camp. Je tunnel, moi, je tunnel. Voilà. Pourquoi cette réponse négative? Bon, déjà, il a ses raisons. Que la raison ignore. Mais aussi parce que de son côté, c'était quand même une série qu'il a beaucoup aimée. Enfin, c'est même de mon côté, hein, c'est vraiment un mode qui m'intéressait. Alors si on ne tournait pas beaucoup, c'est parce qu'on était limité par vos défis. Wow! Wow! Donc pourquoi il a explosé lui? C'est pas normal. Ah oui, j'ai faim. Donc c'était parce qu'on attendait vos défis, mais dès lors où vous nous avez dit. Enfin, je commence à dire n'importe quoi. Dès lors où on doit attendre que vous nous répondiez en commentaire, on est obligé de tourner au compte-gouttes. Maintenant que la série s'est arrêtée de son côté, il a pu tourner beaucoup plus. Et de ce que j'ai compris, c'est peut-être pas le cas, mais c'est ce qui semble avoir été fait. Il a continué à jouer, du coup je ne peux pas récupérer la map avec sa sauvegarde actuelle. Il n'a pas de sauvegarde sur l'ancienne version, donc c'est fini pour ça. Ouais, bah dis donc, 7 minutes de blabla, je fais fort. Donc bon bah voilà tout simplement si jamais je trouve le courage de faire ma petite récupération de la map, je la ferai. Bien sûr vous en serez averti. Je pense d'ailleurs plutôt vous faire une petite surprise du style et voilà, objectif hardcore est de retour. Mais oh tiens, j'ai récupéré des flèches, bah oui. Oui, ça je pense que ça peut être marrant. J'aime bien l'idée. Mais après, j'aviserai totalement le moment venu. Je pense que je vais bientôt me laisser mourir parce que de toute façon, je vais pas pouvoir survivre bien longtemps. Oh, quoi qu'il y a la viande de zombies. Bon, je sais pas, est-ce que c'est la peine? Bah, chat, vous allez arrêter de venir par le côté, ça m'agace. Toi, tu meurs, s'il te plaît, merci. Allez, allez. On peut mourir de faim? En hard, je crois qu'on peut. Allez! Donc, épisode pas super super intéressant, mais je vais essayer d'avancer. J'essaie de le faire de toute manière. Et j'espère que le son n'est pas trop pas bien, si je puis dire. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Non, là c'est bon, je peux. Voilà! Donc, je remonte petit à petit. Là, on va faire ça quand même au cas où. Non, c'est bon. C'est nickel. Là, pareil. Ok, c'est bon aussi. Ah ah! J'arrive proche!
Donc j'espère qu'elles vont pas me toucher à travers les murs comme c'est déjà arrivé. Ah, je sais pas si vous voyez bien par contre. Ça risque d'être un problème. Hop. On continue par là-bas. Alors là par contre, c'est... Où est-ce que je suis? Ok, il y a une torche. C'est relativement cool. Je vais la récupérer. D'accord, je suis dans l'escalier. Bon, bah a priori, je risque rien en ouvrant le... Oh! Bah, il y a un squelette qui était arrivé. Bon, je ne prends rien, puisque je n'ai besoin de rien. Je vais juste continuer à passer dans mon petit tunnel. Je me demande par où il est passé, le squelette, tout de même. Bon, et puis je vais vous éclairer un peu. Parce que là vous devez rien voir, ça va pas être super pratique pour vous. Il est là, il est là. Alors je sais pas comment il fait pour me louper, mais là il est en train de me louper. Pas facile tous les jours la vie d'un squelette. Ah là. Mais possible, lui aussi il me loupe. Enfin moi je suis très contente, mais c'est assez étrange. Allez, meurs sale bête. Ah mais non, mais ah oh, je réfléchis pas assez. Hein. Et c'est pas la peine de me le faire remarquer. Oui, il doit y avoir tout simplement un spawner à squelette pas très loin, et comme ici il fait noir, bah il spawn ici. Eh oui, c'est évident. Alors, je vais me faire, avec tout ce que j'ai récupéré, quelques blocs. Ça, je le remets. Ça aussi, on va prendre ça. En plus, j'ai quelques flèches. Hop, hop. Voilà. Et ça. Et ça. Eh ben, ça me fait des blocs, dis donc, hein. Ça, on s'en fiche, ça on met là et la nourriture ça va sur le côté. Donc, où est-ce que j'en suis? Ok, pour l'instant tout va bien. Je vais regarder un peu sur le côté. D'accord, bah on va refermer. Hop. Ah, là c'est pas bon. Alors, par ici, est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Donc là, j'arrive vraiment sur la zone... Oh bah d'ailleurs, oui, j'arrive sur cette zone, je peux creuser tout droit. Ouais, va quand même falloir... Hop. Oui, merci le squelette, tu veux bien t'en aller, s'il te plaît? J'ai dit s'il te plaît. Oh, un spider jockey. Allez, va-t'en mon coco. Allez, allez. Meurs. Merci. Hop. Je ne voulais pas poser ce bloc. Hop. Voilà. On y arrive. Doucement et sûrement. Celui-ci, est-ce que je l'enlève? Oui, je peux. Voilà. Là, pareil. Allez, laissez-moi poser mon bloc. Super. Donc, je vais bifurquer un peu, parce que ça va être plus facile pour moi d'avancer par là. D'ailleurs, je peux faire un peu mieux que ça. Oh, ça, c'est dangereux. Donc, je vais avancer un peu. Oh, mais que fais-tu là, Coco? Alors c'est fou, quelqu'un en face de moi il n'arrive pas à toucher, mais alors lui qui est dans son petit trou là, il a aucun souci pour me toucher. Hop. Non, je ne peux pas. Voilà, je peux. Allez, c'est ça, meurs. Non, 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 tu ne m'attaques pas, tu meurs, c'est tout. Je te remercie. Bon, tant pis. Oh, il est mort avec un coup de
Dark. Un coup de dark, tout à fait. Alors, est-ce qu'il va y avoir... Oh, les bugs d'XP encore. Est-ce que c'est agaçant? Ça vous fait un peu de lumière, certes, mais c'est quand même très agaçant. D'accord. Bon, bah j'avance. À petits pas, mais j'avance. Et je vais sûrement bientôt me retrouver sous la zone. C'est là qu'une minimap serait sympa. Genre une petite Zen's minimap là. Ah ah! La redstone! Est-ce que je casse la redstone? Ça va être un peu long, hein. Oui, il y a des gens ici, donc on va aller un peu plus loin. J'espère que vous voyez tout de même. Et pourquoi c'est de la bedrock partout? C'est pas cool ça. Hop, 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 hop. T'inquiète pas, je vais te tuer. Allez, meurs, meurs, meurs. Je mange. Meurs, meurs, meurs. Allez. Voilà, très bien. Du coup, je vais continuer un peu plus en bas. Je remonte juste derrière. Voilà. Eh ben, je suis bien contente que le sol soit en clay et pas en stone ou en cobble ou autre, parce que ça aurait été clairement moins facile. Vous, voilà, avec de la lumière. Donc, je vais pouvoir finalement partir de cette zone loneliness. Ah, ça fait du bien. Par contre, j'aurais clairement pas été contre de petites aides du style tiens, cadeau, plein de choses dans le coffre. Mais non, c'est pas son genre. C'est pas grave, je t'en veux pas, Snap. Alors, voyons voir. Oh, c'est sympa comme zone, hein? Par contre, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je ne sais pas où est le passage vers la prochaine intersection. Clairement, je l'ai pas vu. Je me souviens pas l'avoir vu dans la zone précédente. Sur cette zone-là, je sais pas si j'ai tout fait. Ouais, je sais plus du tout. Enfin bref, là, ce qui est sûr, c'est que j'ai récupéré ça. D'ailleurs, pour une map de ce type-là, bon, ils vont me faire mourir ici, c'est très gentil, mais c'est pas la peine. Enfin, non, c'est pas la peine, c'est bon. Hop. Allez, meurs. Et puis surtout, je veux pas que ce machin dépop. Donc voilà ce que je disais. Sur une map de ce style-là, surtout que celle-ci on meurt pas mal, évitez de mettre qu'un seul. Enfin, c'est peut-être pour le challenge aussi, mais sincèrement. Voilà. Mettre un seul de ça là, ça veut dire qu'on meurt avec, c'est fini. On peut plus gagner le jeu. Ce qui est un peu dommage, quand même. On va décorer. Donc ça je le mets, ça je le mets. Hop. Oui, ça éclaire. Pas beaucoup, mais si, c'est vrai, ça éclaire. Voilà. Bon, je suis pas à l'abri, mais je suis un peu couverte, c'est toujours mieux. Hop. Voilà. Bon. Ma chambre est prête. Et maintenant, je vais pouvoir déménager. Mais j'ai pas envie. Donc, ça peut servir, mais ça va me tuer. Ça, c'est cool. Ça aussi. Pourquoi ça, c'est cool? Parce que je peux les échanger contre
Tu comptes plein de choses. Ça, je garde, bien sûr. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je pense pas en avoir besoin, mais je prends quand même. Je garde tout, vous le savez. Cobble, très important. Viande de zombie, je prends. Et ben voilà, on y est. Il va falloir faire le chemin en sens inverse. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Rien d'important. Oh! Qu'est-ce que c'était que cette zone? Oui, je me souviens d'ici. Il y avait des petites araignées. Est-ce qu'il y a un endroit éventuellement où je pourrais passer? Non. Non, parce que j'ai pas de pioche et ça va me prendre une plombe à casser du coup. Bon, bah c'est pas grave. Alors, est-ce que je peux vous donner d'autres nouvelles? Bah concrètement, non. Si en nouvelles, il y a quoi? Le défi qui m'avait été proposé par Monsieur Erilio, on m'a demandé si je l'avais tourné avant, parce que bah il y a quand même eu des petits différends entre lui et moi, donc comment ça se fait que même après ça, je publie un épisode. Mais t'as fini, oui? Meurs! J'ai publié un épisode qui m'a été proposé par lui, bah tout simplement parce que enfin, je n'ai pas eu vraiment de problème avec lui. Je veux dire, le problème est plus entre guillemets à sens unique, mais non, il n'y a pas de souci pour que je tourne sur ce qu'il me propose, hein. C'est son choix de son côté. Tu veux bien arrêter de sautiller, s'il te plaît? Il y en a un autre là-haut. Bah d'ailleurs, la zone là, elle est ok, mais je sais que j'étais tombée sur une autre zone en me baladant dans les couloirs. Est-ce que je peux la retrouver? Par là peut-être? Est-ce que c'était par là? Non, non, c'était pas par là. Par où c'était? C'est une bonne question. Ah bah là-bas tout simplement. Je ne suis pas allée là-bas. Et ça va pas être simple, non. Tant pis. Je sais que je n'ai pas fini la zone. J'y reviendrai, je suis désolée. Mais là, j'ai absolument rien. Je vais finir par mourir de faim. Voilà, je peux pas. J'ai pas de flèche. J'ai vraiment pas de flèche, d'accord, c'est pas grave. Donc. De quoi je parlais? Oui, du défi. Après, a priori, ça vous a plu. Alors, loin de moi, et je suis sérieuse, l'idée de plagier Monsieur Herriot, qui a fait une série qui se nomme Défie-moi, dans laquelle il propose à ses viewers de lui proposer des défis qu'il va réaliser sur des maps vierges, entre guillemets. Je veux dire, il génère une map et puis il fait le défi là-dessus. Non, sincèrement, tu vas m'agacer si tu me tues. Allez, arrête, non. Oh, t'es méchant. Allez, au revoir, toi. Il faut que je récupère ce machin chose. Super pratique. Hop là. Oui, là il faut que je casse ça. Et ça. Hop. 8. A priori, je me fais tirer dessus. Ah mais oui! Voilà. On continue par ici. Et il faut que j'aille chercher ce que m'a piqué l'autre. Ah là, voilà, plein de blocs. C'est cool. Mais non, mais mets-toi là. Sois sérieux un petit peu. Hop.
Donc, toi, le zombie, t'es bien gentil, mais j'ai pas envie de te voir, merci. Et donc là-bas, on doit avoir un autre squelette. Voilà. Et toi, tu dois plus... Voilà, tu dois plus avoir beaucoup de PV. Voilà, super. Oh non, va-t'en. Pas envie de te voir. Ça va rameuter tous les zombies. Hé! J'ai failli laisser. Non, mais c'est parce que je suis full. Comment je fais pour être full? Sérieusement. Voilà. Je peux pas me permettre de perdre ça non plus. Oh. Déconne pas. Donc, où est le début? Je sais plus du tout. En plus, si, je suis tombée dessus il y a pas longtemps. C'était par là-bas, il me semble. Ouais, je vais remonter. Je crois que c'était par là-bas. Salut toi, au revoir. On va voir, est-ce que c'était bien par là? Ou est-ce que je me trompe totalement? Non, c'était par là. Oh, j'espère que c'est ça. Hein? Oui, c'est là. Pfiou! Bon, je reviendrai. C'est promis. Mais pour l'heure, faut que j'aille voir les villageois. Oh, ça fait du bien d'être un petit peu tranquille. Villageois, que veux-tu bien m'échanger? Des sticks, des sticks, des sticks et des sticks. Bah, donne-moi des sticks, ce sera toujours ça. Maintenant, c'est vrai que sans bois, ça veut dire pas de table de craft, ça veut dire que je peux rien faire. Mais, j'ai une planque. Donc, je vais y retourner. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, tellement longtemps. Je vais éviter de courir hein, parce que niveau nourriture, c'est pas la joie. Je crois qu'il faut que je suive la tête du squelette. Darkwall, c'est ça. Alors, la petite maison. Je suis sûre que vous l'aviez oubliée depuis le temps. Oui, lui, il s'en fiche, il est intéressé par le villageois. Donc, deux choses. Première, j'ai plus de lit ici. Si, j'ai un lit. Dormir, ouais. Voilà, donc ça, c'était la plus importante. Ensuite, ici, on va se refaire du matos. Donc, pioche, c'est très important. Mais le plus important, des épées. Des flèches, j'en ai deux, donc c'est bof. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Qu'est-ce qu'on a là? On a plein de choses. J'ai même des pioches, dis donc. Je prends ça. Je prends ça. Hop, hop, je m'équipe. J'ai une bonne tête. Et là, j'ai plein de choses. Pas forcément utiles, mais elles ont le mérite d'être là. Hop, hop, hop. Ça, je garde. Il faut que j'aille le poser. Bon, tout ce qui est clé, ça va aller là. Les blocs aussi. Est-ce que j'ai des blocs? Oui, j'ai plein de blocs. Ça en vire. Tiens, ça va faire très joli. Là. Ça, je vire aussi. Potion vide, il y en a. Flèche, il n'y en avait pas. Bon. Pour l'appel, non. Non, c'était pas nécessaire. Et bah, c'est parti. On va aller poser ce bloc. Go, go, go! Je suis bien contente d'avoir tout bouché. Loneliness. Mais alors là, j'ai une question qui me perturbe un peu. J'avais récupéré un premier bloc. Où est-ce que je l'ai fichu? Blablabla. Faut remplacer les 13 blocs de verre. Est-ce que je l'aurais laissé dans mon coffre? Est-ce que je l'aurais perdu? Aurais-je fait cette bêtise? Il va falloir que je me regarde certains épisodes, moi. Alors, qu'est-ce que c'était le premier bloc? Je sais plus du tout.
Mais clairement pas un de ceux-là. Non. Bon, je sais plus. Donc, je vais au moins poser ça. Et puis, je verrai après. J'ai peut-être laissé ça dans un coffre, hein, aussi. Tout simplement. Oui, mais oui, c'est sûr, j'ai laissé ça dans un coffre. Le coffre de la zone précédente. Ce qui pourrait être très méchant, c'est d'avoir fait des spawners de l'autre côté. Ce qui fait que comme là c'est sombre, et ben ça spawnerait dessus. Genre un spawner à creeper. Donc nous sommes en compagnie de Loneliness qui est là-haut. Voilà. Il nous en reste pas mal. Tiens, je vais m'arrêter là. Po-po-po. Voilà. Donc, finalement, j'ai réussi à me retrouver à la maison. La prochaine fois, j'irai chercher ce bloc, hein, que je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. En tout cas, j'espère que cet épisode, bien qu'un peu long et peu rempli d'aventures, vous aura plu. Je ferai mieux la prochaine fois. Il y a peu de chances que je fasse pire de toute manière. Moi, je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode de The Dark Sortine. Ciao, bye bye!